Bonjour, mes cancers, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. C'est Nathalie. Alors j'espère que votre santé, ça va, votre morale également, voilà. Et sinon que tout s'arrange, mes loulous. Alors prenez bien que ce qui vous parle, mes anciens, vous le savez. Et pour les nouvelles personnes, ben bienvenue à vous. Mais c'est une générale, s'il vous plaît. Donc il faut prendre que ce qui vous parle. Voilà, ce qui ne vous parle pas, vous laissez tomber. Il y a, il y a des vidéos valables pour, par exemple, novembre, la vidéo complète de novembre, hein. Alors, je vais regarder un petit peu ce que j'ai avec vous. C'est laquelle? Merci pour tous mes cancers. Merci de votre fidélité et de vos likes, de votre soutien. Alors, on a un choix à faire. L'univers vous demande votre réponse. Parce que là, c'est flou. Il faut éclaircir les choses. Il y a un choix à faire. Par exemple, j'ai envie de déménager, mais j'hésite entre un village et la ville. Ben, vous voyez, ce n'est pas pareil. Donc, l'univers veut bien vous aider à trouver ce qu'il vous faut. Mais il faut lui en dire plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment être clair. Et c'est un exemple, hein, bien entendu, mais être clair. Voilà. Et j'ai quelqu'un qui a un choix à faire dans sa vie. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être entre deux personnes. Ça peut être tellement de choses. Hein, d'accord? Et là, il y a besoin de précision. Voilà. Pour d'autres, il est possible, je sais pas, il est possible que vous en avez gros sur le cœur et que vous ne vous libérez pas, il faut s'affirmer. On va voir par la suite. Bon, bah oui, moi j'en ai. Il y a un nouveau départ ici. Ça va vous faire du bien. Waouh. C'est possible qu'on parle de déménagement ou de changement de lieu de travail. Un nouveau travail, vous voyez, c'est possible qu'on vous parle ça, de ça. Ou alors vous avez réussi quelque chose aussi, hein, parce qu'elle dit hurrah, hein. Donc, ça, c'est possible. Possible que vous avez réussi un examen, un concours, quelque chose, vous voyez, ou d'obtenir un emploi. Il y a quelque chose de nouveau chez vous, hein. C'est la suite pour l'avenir. Et j'en ai d'autres. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Je choisis quoi? Vous voyez, vous êtes comme ça. En tout cas, c'est ce que j'ai. Vous êtes comme ça en ce moment, là, posé comme cette dame, hein, qui nous ont si bien illustré. Je fais quoi? Après, certains de vous, vous vous posez la question de la réussite. Moi, j'ai la réussite ici, hein, d'accord? Je l'ai justement. Et vous vous demandez, ben, je l'ai obtenu mon permis, je l'ai obtenu cet examen. Est-ce que, par exemple, cette maison, il y a 5 dossiers. Est-ce qu'on va retenir mon dossier? Est-ce qu'au final, c'est moi qui va réussir à obtenir cette maison, à ce qu'on me dise, bah écoutez, c'est vous qu'on a choisi. Vous voyez, on est en train de réfléchir ici. Pour d'autres, on va voir ce que c'est. Parce que j'ai aimé ça. Oh là là, vous avez la victoire. Oh, magnifique! Regardez-moi ça. 6 de bâton, victoire. Ensuite, vous avez le soleil, abondance, réussite, réalisation, la joie, le bonheur. Waouh! Vous allez être félicité, puis vous pouvez vous féliciter quand ça va arriver. Alors après, ça peut, si ça se trouve, vous le vivez en ce moment, que c'est tout frais, hein, que ça vient d'arriver, que ça sort dans mon tirage. C'est possible. Ça va être la fête, hein. Regardez-moi ça, vous allez fêter, hein, vous allez fêter. Après, bah, par exemple, quoi que ce soit, comme réussite, comme victoire, comme obtention, fêtez-le, hein, marquez le coup, ça porte bonheur et c'est un respect aussi, hein, de montrer votre joie à l'univers. D'accord? Mais peut-être que aussi vous avez attendu longtemps. Ça n'a pas été facile. Il a fallu se démener, il a fallu se battre, mais pas pour rien. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne, cette victoire? Vous me direz quoi en commentaire, certains de vous. Et si ça ne vous parle pas aujourd'hui, bah quand ça arrivera, vous m'écrivez ça en dessous d'une vidéo. Même si c'est plus tard. Ça me fera plaisir. Vous me dites
par rapport à la vidéo du 13 au 30 novembre, vous aviez prédit ça, vous aviez dit ça. Eh ben, je vous écris un petit retour. Je l'ai eu, ma victoire. J'ai obtenu ce que je désirais. Voilà quoi, d'accord. Waouh, mais c'est la fête, hein. C'est la fête à la maison, hein, comme on dit. Hein. Alors, écoutez, ça peut être... Pff, on est dans une générale. Et vous adaptez, s'il vous plaît. Mais oui, mais c'est ça, en fait. Hein. On démarre quelque chose de nouveau, d'accord. C'est une fin de cycle. On démarre un nouveau cycle. On ferme une porte, on ouvre une nouvelle porte. On ouvre cette nouvelle porte. Bravo, mes chéris. Là, vous allez pouvoir vous féliciter, hein, moi, je vous le dis. Hein. Bon, ici... celle-ci, elle est tombée avec. Certains de vous, il y a un choix à faire. Hein, d'accord ? Il y a un choix à faire. Apparemment, il n'est pas évident. Ou alors, vous avez peur de vous tromper. Ou alors, il y a trop de choix. Et du coup, on est dans l'embarras. On se dit, mais j'aime bien ce côté. Cet appartement-ci, par exemple, j'aime bien. Il a une immense terrasse. Celui-ci, il a un balcon. Par contre, il a un plus grand salon, vous voyez, et vous vous dites, je fais quoi? Est-ce que je choisis l'appartement où il y a un plus grand salon ou la terrasse et le salon est plus petit? Exemple, hein, c'est un exemple. Mais voilà, ça pourrait être ça et que c'est pour ça que le choix, il n'est pas évident. Et pour d'autres, il y a peut-être un choix par rapport à une rupture. Et ouais, ici, il y a quelqu'un. Vous allez annoncer votre départ. Ou alors, vous allez annoncer la rupture, quoi. La rupture avec une personne, au niveau sentimental, par exemple. Ou alors, si vous déménagez, il faut l'annoncer au propriétaire. Et peut-être que vous êtes ami avec le propriétaire, exemple. Hein. Ou alors, il faut annoncer à son emploi, à son travail, qu'on pose le préavis. Et voilà, ça peut être ça, quoi, tout ça. Ou alors, ça peut être de l'ordre d'une rupture. Bon, par contre, j'ai quelqu'un qui va pas bien par rapport à... Il y a des restes, en tout cas, ou alors... en tout cas, j'ai quelqu'un qui va pas bien par rapport à quelqu'un qui... Vous allez pas bien parce qu'on vous a fait mal. Il y a trahison, ou alors il y a douleur. Voilà, c'est une personne malhonnête, vous voyez. Mais vous allez vous choisir, vous. On parle de purifier son cœur. Ah, mais regardez ici, moi j'ai quelqu'un. Alors, soit vous. J'ai quelqu'un qui va faire une formation. En tout cas, vous faites quelque chose. Enfin, vous allez faire quelque chose que vous n'aviez peut-être pas. Peut-être qu'avant ça, vous n'aviez pas cet argent ou vous n'aviez pas le temps pour faire par exemple une formation. Ça, c'est possible. Et que là, vous allez prochainement la faire. Hein, d'accord ? Ou alors, il y a une augmentation financière, là, il y a une croissance financière ici, prochainement, c'est ce que j'ai, une amélioration financière. Et pour d'autres, ça peut être de l'ordre de... Écoutez, moi, pour moi... De toute façon, j'ai une amélioration. À vous d'adapter ce que c'est, parce que ça peut être tellement de choses. J'ai une amélioration. Et du coup, vous reprenez votre pouvoir, votre force, votre puissance. Ah ouais. Vous reprenez votre puissance, là. Vous allez vous sentir mieux, hein, largement. Ça peut être, vous voyez, ça peut être tellement de choses. Ça peut être, par exemple, on fait une formation et puis après, derrière, on trouve un emploi où on se lance à son propre compte et que ça va marcher et que ça ira mieux au niveau des finances. Ça peut être, par exemple, on trouve un nouveau emploi ou alors on n'avait pas d'emploi et puis ça n'allait pas au niveau des finances et puis là, on retrouve un emploi et du coup, il y a du changement au niveau de nos finances parce qu'il y aura un salaire qui va tomber tous les mois et tout ça. En tout cas, il y a du positif ici, hein, c'est pas possible, mais ça peut être tellement de choses, moi, chez moi. Ça peut être même, par exemple, des fiançailles
Ouais, fiançailles ou mariage et tout ça. Hein. Ça se trouve, quelqu'un vous a demandé votre main ou vous a dit, écoute, on est bien ensemble, viens, on vit ensemble, viens, viens, donne-moi la main et viens, on va vivre ensemble, vous voyez, ou on va se marier ou pacser, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on a une bonne nouvelle, en tout cas. Ici, on va être vraiment dans la gaieté, dans même l'euphorie, hein, peut-être ici. Hein. Alors, je vais regarder immédiatement pour en couple ou ou en relation. J'ai le coup de foudre, j'ai la personne amoureuse. On va voir. J'ai une personne amoureuse. Va falloir vous choisir vous, hein. Si c'est vous. Hein. Après, les énergies sont interchangeables, adaptées, s'il vous plaît, placez-vous. Soit c'est vous, soit c'est votre autre, d'accord? Alors ici, en couple, ou en relation, j'ai quelqu'un. Alors, soit vous êtes tombé amoureux, amoureuse d'une personne qui est prise, d'accord? Et que cette personne, au final, elle ne tient pas ses promesses, d'accord? Peut-être elle vous a raconté, elle vous a dit oui au début. Hein. Pardon, dans mon couple, ça ne va pas. Même si je ne t'aurais pas rencontré, je pensais me séparer. Et du coup, je vais me séparer, que ce n'est pas du tout le cas. Et donc voilà. Soit c'est quelqu'un, un des deux là, dans le couple, un des deux a fait la rencontre d'une tierce personne, d'accord? Et j'ai la ruse ici, hein. On échange et tout, et on pense on passe du bon temps à l'extérieur avec une autre personne, en tout cas, et on pense à la rupture. Voilà, on pense à la rupture, mais là, moi, j'ai l'impression de la rupture. On ne dit rien, on va se sauver ici. Moi, c'est ce que j'ai. Et peut-être que on quitte notre partenaire officiel du jour au lendemain sans la prévenir, sans le prévenir, et on sauve quoi. On sauve comme un voleur. Moi, c'est ce que j'ai. Et sinon, bah oui, en fait, ici, j'ai deux cas de figure. Hein. J'ai quelqu'un qui a rencontré une tierce personne, une nouvelle personne, d'accord? Il y a une tierce personne ici, et on va faire du mal. De toute façon, la personne qui est trompée et qui y a une rupture ici, qui va être laissée. Qui va être laissée, ouais. J'ai deux cas de figure. Moi, j'ai quelqu'un qui est avec une personne prise. Et on souffre, on attend, voilà, on attend en fait cette rupture. Et j'ai quelqu'un qui a rencontré une personne et qui pense à la rupture là, par contre, ici. Hein, je vois bien. Et on laisse une personne triste. Ouais, le choix, il revient. Ici, on est en couple, on doit faire un choix. On a deux personnes dans notre vie. Ouais, on doit faire le choix. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Hein. Alors, et si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Hein. Alors, mes célibataires, qu'est-ce que j'ai pour vous? Il y a de l'eau qui est tombée hier. En fait, ma fille et ma chienne en même temps. Elles sont rentrées de promenade et ils m'ont fait tomber le trépied et le spot sur une bouteille d'eau qui était là, plus loin. Et tout l'eau s'est déversée sur ces cartes-là. Entre autres celle-ci, celle-ci, celle-ci. Mais là, celle-ci, pour le coup, j'ai du mal. Alors, bien entendu, je les ai essuyés et tout, je les ai laissés sécher, mais
J'aurais pas dû les mettre peut-être sur le chauffage, vous voyez. Non, je vous dis pas. Attends, j'y tiens mes cartes. Mais bon, après, ils l'ont pas fait exprès. La petite chienne, elle s'est pris dans le câble, en fait. Hein. Il y a des câbles, là, vous les voyez pas, heureusement. Mais, et puis ma fille aussi, je crois. Enfin, ça a été tellement vite, toutes les deux. Mais là, les cartes, elles ont pris un coup. Hein. Ok. J'ai deux cas de figure. Ici, prochainement, on va rencontrer une personne en se déplaçant. Hein, d'accord? En se déplaçant, on va quelque part, on rencontre une personne. Donc, ce n'est pas par exemple sur le site là. En tout cas, je n'ai pas ce cas de figure. Après, si c'est ce cas de figure, ça veut dire que vous allez vous déplacer avec cette personne. Si vous l'avez rencontré sur un site, peut-être vous allez vous voir justement. Ou alors, peut-être vous allez décider d'une sortie ou alors un week-end même. Hein, d'accord? Mais bon, moi j'ai quand même une personne qui rencontre quelqu'un. J'ai un célibataire ou une célibataire qui rencontre quelqu'un en allant quelque part. Hein, d'accord? Donc, attirez votre âme sœur, c'est ce qu'on vous dit, tout ça. Vous méritez l'amour, bah bien sûr. Hein. Ça va être vraiment très attractif entre vous. Ça va être comme deuxièmement, clac, et vous faites plus qu'un. Là, c'est de très très bon augure ce que j'ai ici, hein, d'accord? Pour d'autres, en fait, pour certains de vous ici, vous avez mal à votre cœur par rapport à un ex ou une ex. Vous avez besoin de vous exprimer. Alors ici, on vous dit, alors là-haut, c'est tout ce qui est proche. En bas, c'est nous, les voyants, les thérapeutes et tout ça. C'est l'extérieur en bas, d'accord? Là-haut, donc c'est possible ici qu'on vous dit, par rapport à une traîtrise, une trahison, une tromperie, d'accord? Vous n'allez pas bien, vous vous renfermez. Vous êtes, moi je dirais même en dépression nerveuse ici. Vous êtes triste et vous avez du mal à guérir. D'accord? Vous avez du mal à accepter ce qui vous est arrivé puisque on parle de tromperie et tout ça. Et on avait un 7 d'épée qui est là, hein, d'accord? Et donc du coup, en fait, vous êtes célibataire parce qu'on vous a fait du mal. Voilà. C'est pas la grande joie d'être célibataire. Et là, c'est possible en fait que vous avez besoin de conseils, d'être guidé ou que vous avez besoin aussi d'avoir une écoute. D'avoir une oreille attentive, une écoute et qui puisse après vous guider, vous conseiller, hein, d'accord? Mais il vous faut quelqu'un, bah, si c'est quelqu'un de proche, une amie, un ami ou de la famille par exemple ou une collègue ou je ne sais pas, hein, mais quelqu'un de proche de vous, bah, en fait, il faut que cette personne quand même, qu'elle puisse vous prodiguer ses conseils, d'accord? Qu'elle puisse le faire, il faut que, voilà. Mais sinon, il faut que si c'est à l'extérieur que vous devez vous exprimer, bah, en fait, c'est une personne que c'est son expérience. Enfin, là, cette expérience-là, c'est son domaine. D'accord? C'est quelqu'un de, en tout cas, quelqu'un qui peut vous écouter, vous conseiller, vous guider par rapport aux problèmes rencontrés ici. Et puis surtout pour justement bouger et vous extirper de cet état, vraiment de cet état-là. Hein. Je vais prendre un autre jeu. Je ne le fais pas systématiquement, mais là, il y en a besoin. Et quand il y en a besoin, je prends la décision de le faire parce qu'il y a besoin. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a besoin d'entendre ces messages-là. Et là, j'ai besoin de savoir autre chose. Attends. Parce que là, faudrait, je vais voir. Hein, mais il ne faudrait pas me faire un fixe parce que ça pourrait durer des années. Après, si ça se trouve, ça dure déjà depuis des années qu'on n'arrive pas à oublier quelqu'un. Bah, faites le soin ancestral, je vous dis honnêtement. Je ne vous incite pas, mais libérez-vous. Dans ce cas-là, le soin ancestral, il peut vous aider. Parce que là, moi, j'ai quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui... Là, j'ai quelqu'un qui traîne là-dedans, qui n'accepte pas ce qui s'est passé, qui est...
Vous voyez, comme la glu, comme, quand elle colle, qui est attrapée là-dedans et qui est en dépression nerveuse. Hein. Donc, ce n'est pas quelqu'un. Voilà. On a fait un fixe pour moi, là-dedans. J'en ai trop. J'en ai trop. Oh là 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 là, ça veut parler, mais ça part dans tous les sens. Vous avez besoin de parler, c'est le chakra gorge. Alors, chakra gorge, on a besoin de s'exprimer, de le dire, voilà. En tout cas, on est trop mal là. On a besoin de s'exprimer. Après, attention, c'est aussi chakra gorge, c'est l'oreille. C'est l'ouïe aussi, d'accord? On a besoin d'être écouté, on a besoin de s'exprimer là, de vider son cœur, vraiment, s'exprimer et après, dans le trimestre en cours. Hein. Et moi, pour moi, il est important de vous faire aider pour pas démarrer 2024 comme ça. Dans cet état, d'accord? Oh, vous n'allez pas bien. Vous avez mal à votre cœur. Mais vous pouvez réussir à s'extirper de là-dedans, mais vous avez mal à votre cœur. Oh là là. Quand je parle à quelqu'un qui est blessé. Ah, on parle de trahison, hein, ça c'est clair. Hein, on parle de quelqu'un qui. Ouais, l'acceptation, c'est ça. L'être aimé. Et en fait, là, on parle de trahison, on parle de mensonges, de fausses paroles. On vous a menti, on vous a berné, on vous a mis dans une illusion. Vous voyez, on vous a caché des choses. Et le jour où ça, vous avez découvert ça, c'était trop puissant, dans le mauvais sens, un négatif. C'est comme si ça vous a coupé, sabré. Par rapport à l'être aimé, mais bon, pourtant, là, il y a besoin de réussir ça, justement, que vous acceptiez ce qui vous est arrivé. Je sais, c'est dur, mais c'est le début de tout. Là, il faut, pour un changement imminent. Ouais, on a perdu confiance. Bah oui, mais avec l'ex, c'est ça. Je suis chez mes célibataires, on parle d'un ex. Vous voyez, une ex ou un ex, hein, d'accord? Et là, après, c'est possible aussi que la famille. J'ai deux cas de figure. Soit la famille, elle en a marre d'entendre la même chose et vous dit, bah, t'as qu'à te remettre avec lui, mais nous, on ne te parle plus. J'ai peut-être une famille qui se mélange là-dedans aussi. Donc du coup, vous retournez pas avec la personne qui vous a trahi. D'accord? Peut-être que j'ai ça. Peut-être que les amis, la famille se mélangent. Et des fois, vous vous dites, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui pardonne? Est-ce que je lui pardonne? Je fais quoi? Vous êtes dans la confusion. Et du coup, vous vous dites, je fais quoi? Est-ce que je lâche prise définitivement? J'ouvre l'œil, les yeux sur un ex ou une ex. Faudrait, mais moi, pour moi, dans que vous voulez vous réconcilier avec ou pas, ou vous êtes capable de passer par-dessus, ouais, cette comment on appelle ça, cette trahison. Bah, en fait, ouais, vous avez le nettoyage. Mais bon, faites voir celle-ci. Et après, vous aurez la réharmonisation générale. Il faut faire un soin ancestral, n'hésitez pas. Mais bon, ici, en fait, il n'y aura que de la retombée positive. Moi, pour moi, ici, c'est vrai que vous êtes dans le doute. Est-ce que certains et certaines, vous vous dites, est-ce que je lui pardonne?
je me réconcilie ou pas. Vous voyez, vous êtes dans ce doute-là. Vous devez faire un choix et c'est pas évident. Mais si vous devez faire le choix, lâchez prise. Vous voyez, c'est ce que moi je ressens pour qu'il y ait des bonnes retombées. Parce que là, vous êtes au-dessus. Vous vous êtes rendu malade. Moi, je parle à quelqu'un qui s'est rendu malade, qui fait un fixe là-dessus, hein, de toute façon, qui n'arrive pas à accepter ce qui lui est arrivé. Et là, vous êtes face à un choix certain. Et d'autres, en fait, c'est pas par rapport à la réconciliation, c'est que vous ne voulez plus retourner avec, mais vous avez fait un fixe quand même. En fait, vous vous dites, je ne veux plus. C'est comme un combat, vous voyez. C'est comme si vous vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi je fais ce fixe-là, pourquoi je suis tordue ou quoi. Il ou elle m'a fait du mal. Et pourquoi je pense encore à lui ou à elle, vous voyez. Et là, vous vous posez beaucoup de questions, mais vous êtes bloqué dessus. Donc, faites-vous aider et avancez. Voilà, bah écoutez, on n'est que ce qui vous parle, hein, bien entendu. Je répète ça parce que mille fois, parce que des fois, il y a des personnes, je vous assure, ils se déchaînent hein, dans les commentaires. Mais moi, ces commentaires-là, franchement, j'en veux pas et je les supprime. Il faut vraiment, quand ça vous parle pas, ça vous parle pas. Quand ça vous parle, ça vous parle. Voilà, c'est tout simple en fait. N'hésitez pas si vous avez besoin de mes services. Il y a tout en dessous de la vidéo. Et moi, je vous souhaite le meilleur. Merci pour vos likes, votre soutien et belle continuation. À bientôt. Bisous.